Everywhere I go, when I want to put it down. Salut les internets, et merci d'écouter ma voix suave. J'étais en train de faire mes courses au Franprix quand j'entends cette petite mélodie et je me suis dit, bon, j'ai les bras chargés d'eau déminéralisée et de guacamole, donc je ne peux pas shazamer en temps réel. Mais j'ai une solution de secours, il y a une application que j'utilisais il y a fort longtemps et que je pourrais tester à nouveau. Il s'appelle Sounddog ou un truc comme ça, où je peux chanter ou murmurer ou siffler un air et ça me donne le résultat à la manière de Shazam. Pour ne pas oublier la mélodie, je me suis fait un petit mémo vocal parce qu'il suffit que j'écoute une autre chanson et ça va la remplacer dans ma tête. C'est gênant, hein? Ok, je vais donc télécharger l'application. Donc si je tape Sounddog, je suis sûr que c'est pas ça, Sounddog. Soundhound. Oh, c'est rigolo, dans les notes de release, ils ont mis des chansons avec bug dans le nom. Mais qu'est-ce qu'on se marre ! Alors c'est parti pour le moment gênant, où je vais chanter à nouveau. Est-ce que je vais accéder au micro ? Bah ouais. Est-ce que je veux des notifications ? Bah non. Il y a une grosse pub en dessous, c'est un peu triste. Par contre, en termes de UI, c'est pas mal. On a trois onglets en bas, on a le champ de recherche et l'espèce de barre de story. Et surtout, le truc qui nous saute aux yeux, c'est ce gros bouton très affordant avec des dégradés, du motion et une sorte de petit tooltip qui pointe dessus que peut-être personne ne va lire, mais qui nous indique que c'est là que ça se passe. Allez, c'est parti pour le moment gênant. Everywhere I go, when in and I wanna get, what a bitty ba, ni ma ni ma ni na na, what a tita, c'est da tita. Je crois que l'animation a bugué. Petit effet Bonaldi, ça n'a pas fonctionné. Par contre, vous avez vu, il y avait une petite phrase qui disait « Si vous êtes en train de murmurer ou de chanter, rappuyez sur le bouton pour bien arrêter l'enregistrement. » Ça, c'est intelligent parce que si ça avait été marqué dès le début, je pense que j'aurais pas pensé à appuyer sur le bouton à nouveau. Alors que là, il me l'amène au moment où je commence à en avoir un petit peu marre de chanter et ça m'incite à aller de l'avant. Ok, ça n'a pas marché, on va essayer de siffler. C'est une catastrophe. Bon là évidemment il va pas trouver non plus. Allez, dernière tentative. Sur une phrase plus courte, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça marche très bien, hein. Je vous conseille cette application. Bon, je vais laisser tomber avec cette chanson, mais pour l'honneur, je vais choisir une autre chanson. On va aller sur Spotify pour voir les chansons les plus streamées. Alors ça doit être dans la recherche. Top chanson France. Bon, ça me paraît compliqué. Suavemente. Suavemente, besame. Parfait. Une chanson qui fait du recyclage, bah c'est parfait pour notre cas d'usage. Et en plus, ça rime. Une chanson qui fait du recyclage, c'est parfait pour notre cas d'usage. C'est un alexandrin, je pense. Suavemente, besame. Como sentir tus labios, suavemente. Là, c'est forcé qui trouve. Suavemente, besame, como sentir tus labios, suavemente. Je pense que c'était l'accent qui n'allait pas. Bon, on va être obligé de dégainer l'artillerie lourde. Hein. Allons, enfants de la patrie. A few moments later. Là, si tu trouves pas, là si... Ah, magnifique. Ok, bah... Pour vérifier, alors je pense que c'est pas ce truc tout en bas là. On va essayer de voir. Ah, pour lancer la chanson, il faut se connecter à une appli de streaming, Spotify. Donc là, il me renvoie sur le web. Donc Soundhood se connecte sur Spotify qui se connecte sur Facebook. Tout va bien, c'est bien moi. Pour l'application, ne pas pouvoir proposer de lire directement les titres, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'était ça? Rien à voir, donc c'est cool. Par contre, évidemment, le premier match, j'imagine qu'il est bon. Oui, c'est bien la Marseillaise. La patrie est sauvée. Le player est pas mal. Je peux changer de service pour écouter la musique. Je peux aller sur YouTube. Ah, sinon, j'ai Preview. Ok, il y a quand même un moyen d'écouter la chanson sans être connecté à une app de streaming. Le player est plutôt propre. Je peux passer au deuxième match.
Là, il veut se connecter à mon Apple Music, je sais pas pourquoi, ça sort de nulle part. C'est comme un cheveu sur la soupe. Par contre, c'est cool, il y a aussi les paroles. Franchement, le player, il est plutôt propre. Et ben, je suis plutôt satisfait, même si je n'ai toujours pas trouvé ma chanson. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc pour résumer, on a une application qui est bien référencée. On a un bon onboarding rapide qui demande les choses au bon moment. L'ergonomie, elle est parfaite pour le rôle qu'elle doit servir. J'ai pas eu de réponse sur la chanson que je voulais trouver, donc c'est un peu dommage, mais j'avais le souvenir que ça marchait plutôt bien à l'époque. Ils ont peut-être changé quelque chose techniquement, donc je vais être plutôt gentil, je vais mettre une note de 4 sur 5 à cette application. Et si vous retrouvez la chanson que j'étais en train de murmurer, je veux bien la réponse. Alors les paroles, c'est pas ça.